sulfureux, irrévérencieux et indigné, Siné s'est éteint à l'âge de 87 ans. À l'annonce de sa mort, ils sont nombreux à témoigner leur affection. Ce qui est important chez Siné, c'est qu'il est le premier en France, dans les années 50, à inaugurer l'ère du dessin coup de boule, du dessin violent, du dessin méchant, à l'humour noir et trash. Quand on regarde son graphisme, il était efficace. C'était pas un dessinateur, je dirais, élégant, c'était un dessinateur énervant, pétaradant. Siné commence en dessinant des chats, puis sa carrière prend un tournant plus politique. Son personnage Bougon s'érige contre la guerre d'Algérie, contre le général de Gaulle et prend parti pour la cause palestinienne. 1982, Siné dérape une première fois. Après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, il se déclare antisémite sur une radio libre depuis qu'Israël bombarde. Siné finira par s'excuser et expliquera qu'il était ivre. Pierre Desproges le qualifiera alors de seul gauchiste d'extrême droite. Siné participera au lancement de Charlie Hebdo et continuera d'afficher sa grande gueule et son indignation permanente sur les plateaux de télévision. Nous les prolos, nous les damnés de la terre, on a le droit de jacter, on vous emmerde. En 2008, il est licencié de Charlie Hebdo, accusé une nouvelle fois d'antisémitisme. Poursuivi par la LICRA, il sera finalement relaxé par le tribunal qui ne retiendra que la satire. Le dessinateur incorrect donnera ses derniers coups de crayon dans sa revue Ciné mensuel. À propos de sa mort, Ciné se disait obsédé. Il avait déjà tout ou presque calculé jusqu'à son épitaphe, déjà apposée sur sa tombe, achetée il y a plusieurs années.